L'intermodalité consiste à utiliser un véhicule avec plusieurs passagers, réponse A. Associer pour un trajet plusieurs modes de transport, réponse B. Alterner les jours d'utilisation du véhicule, réponse C. Qu'est-ce que c'est l'intermodalité? C'est lorsque j'utilise plusieurs modes de transport pour effectuer un trajet. Ce dispositif permet de limiter les embouteillages, la pollution sonore et atmosphérique en ville. Il s'agit de zones principalement situées à l'entrée des villes. Ces pôles permettent d'utiliser un parking pour stationner mon véhicule à la journée et d'emprunter les transports en commun. Bonne réponse, B. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans un embouteillage, je maintiens les distances de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? La circulation devant est ralentie. Si je n'adapte pas ma vitesse et mon comportement, le risque d'accident est important. Je ralentis pour pouvoir m'arrêter plus facilement si nécessaire. La distance de sécurité permet d'éviter une collision en cas de ralentissement brusque, mais cela permet aussi à l'arrêt d'éviter un carambolage. Bonne réponse, A et C. Le stop and start permet d'arrêter le véhicule sans l'aide du frein. Réponse A. Diminue les nuisances sonores. Réponse B. Permet d'économiser jusqu'à 10% de carburant. Réponse C. Le stop and start, qu'est-ce que c'est? C'est un équipement qui permet d'arrêter et de redémarrer le moteur du véhicule automatiquement. Il permet de réduire la pollution atmosphérique et sonore et permet de faire jusqu'à 10% d'économie de carburant. Bonne réponse, B et C. Mon véhicule est recouvert de neige. Je dégivre uniquement le pare-brise avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'enlève la neige présente sur le toit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques lorsque mon véhicule est recouvert de neige? Ma visibilité est nulle à l'avant comme à l'arrière. La lumière des phares est masquée. La neige ou les plaques de glace sur le toit vont finir par tomber, ce qui gênera les usagers derrière moi et risque de créer un accident. Bonne réponse, B et C. En anticipant le comportement des autres usagers, je réduis le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que peut-il se passer? Des usagers sont arrêtés sur la bande d'arrêt d'urgence. Des piétons risquent de surgir sur la chaussée ou une portière de s'ouvrir. En anticipant le comportement des autres usagers, j'adapte mon comportement et réduis le risque d'accident. Bonne réponse, A. Mon véhicule a un seul feu de brouillard arrière. Celui-ci doit être à droite, réponse A, ou à gauche, réponse B. À quoi servent les feux de brouillard arrière? Ils sont très puissants et éblouissants si je ne les utilise pas correctement.
Ainsi, je les utilise uniquement par temps de brouillard ou de chute de neige. La loi impose que chaque véhicule soit équipé d'au moins un feu de brouillard arrière à gauche. Bonne réponse, B. Je m'arrête, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je klaxonne, réponse C. Quels sont les risques? Un véhicule arrive en face et le piéton devant moi commence à traverser. Si je n'adapte pas mon comportement, je risque de le heurter. Je cède toujours le passage aux piétons qui manifestent leur intention de traverser. Je m'arrête. Bonne réponse, A. Je suis impliqué dans un accident matériel. Je fais parvenir le constat amiable à mon assureur dans un délai de 3 jours ouvrés, réponse A, 5 jours ouvrés, réponse B, 7 jours ouvrés, réponse C. Pourquoi respecter un délai d'envoi du constat? Cela permet aux assureurs de traiter les dossiers rapidement pour indemniser les victimes. Suite à un accident, le délai est de 5 jours ouvrés, jours travaillés. L'avantage avec le constat dématérialisé, c'est que c'est instantané. Bonne réponse, B. La vitesse est limitée à 30 km/h à hauteur du panneau, réponse A, ou du ralentisseur, réponse B. Quand est-ce que prend effet une limitation de vitesse? À hauteur du panneau. Si un panonceau de distance le complète, la limitation prend effet à la distance indiquée par le panonceau. Aucun panonceau n'est présent sous le panneau d'interdiction. La limitation de vitesse est effective à partir du panneau. Bonne réponse, A. Pour stationner, j'enclenche la position N, réponse A, D, réponse B, P, réponse C, R, réponse D. Que signifient les différentes lettres? P, parking, R, reverse, N, neutral et D, drive. La position S est un mode de conduite qui permet de changer de vitesse à un régime moteur plus haut. Pour stationner, j'enclenche la position P. Bonne réponse, C. Question 11. Sur cette autoroute, la file de droite circule à 100 km/h. Je peux dépasser les deux véhicules à la fois. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une autoroute. La vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. Je vais donc plus vite que les véhicules de droite. Il n'y a aucune signalisation qui interdit le dépassement à cet endroit, et je ne gêne personne, ni derrière moi, ni devant moi. Je peux donc dépasser les deux véhicules à la fois, et me rabattre une fois que mon dépassement sera terminé. Réponse A. Question 5. Après cette signalisation, le stationnement est payant? Réponse A. Gratuit? Réponse B. Je devrais utiliser un disque de stationnement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D.
Vous allez entrer dans une zone bleue où le stationnement est gratuit mais à durée limitée. Vous devrez utiliser un disque de stationnement. En réglant votre disque sur l'heure d'arrivée, il vous indiquera l'heure à laquelle vous devrez quitter votre stationnement sous peine d'être verbalisé. L'usage du disque de stationnement n'est pas obligatoire le dimanche et les jours fériés. Réponse B et C. Question 3. À cette allure, la distance parcourue pendant le temps de réaction est d'environ 10 mètres ? Réponse A. 20 mètres ? Réponse B. 30 mètres ? Réponse C. 40 mètres ? Réponse D. Le temps de réaction est le moment qui s'écoule entre la perception d'un événement et le moment où vous agissez face à cet événement. Dans des conditions normales, le temps de réaction est estimé à une seconde en moyenne, à 110 km/h. La distance parcourue pendant ce laps de temps est d'environ 30 mètres. Vous pouvez évaluer approximativement cette distance en multipliant le chiffre des dizaines de votre allure par 3. Réponse C. Le stationnement est autorisé sur le trottoir si je laisse suffisamment de place pour les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si des emplacements sont délimités. Oui, réponse C. Non, réponse D. La circulation, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur les trottoirs, même s'ils sont larges et qu'ils pourraient accueillir, comme ici, des véhicules sans gêner les piétons. Dans cette situation, il faudrait un panneau qui l'autorise, à défaut de marquage au sol, difficile à peindre sur du gravier. B. C. Je remplis avec du lave-glace. Zone A. Réponse A. Zone B. Réponse B. Je complète le niveau du réservoir A. À chaud. Réponse C. À froid. Réponse D. Alors, donc ici, on a du bocal, du réservoir. Donc celui-ci, qu'est-ce que c'est? C'est le liquide de refroidissement qui sert à refroidir le moteur avec un liquide. Et en B, donc, on peut voir le petit symbole. C'est le produit lave-glace. Donc du coup, on nous demande, donc je remplis avec du lave-glace. Donc en zone B, bien sûr, alors ici, donc le liquide de refroidissement, si je complète le niveau, je fais ça à froid ou à chaud. Ce qu'il faut savoir, quand le moteur est chaud, ce liquide de refroidissement, donc, il est ici, dans le bocal. Elle est très chaud. Ça peut aller jusqu'à 90 degrés. Et ça marche un peu comme une cocotte minute. C'est-à-dire, ce bocal est bien fermé. Donc, quand c'est chaud, ça monte en pression et je divise ce bouchon lorsque le liquide est très chaud. On va vite avoir des vapeurs qui vont s'éjecter très rapidement. Et c'est des vapeurs très chaudes. Donc forcément, on risque de se brûler. Donc il faut faire ça de préférence à froid. Si le liquide est froid, là, il n'y a pas de danger de brûlure. Donc les bonnes réponses, c'était B et D. Question 16. Je peux stationner sur l'emplacement de droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. En général, pour stationner, je me range sur l'accotement lorsque la signalisation le permet. Je pourrais stationner sur l'accotement puisque la ligne de rive est discontinue. Mais quelques mètres plus loin, se trouve un emplacement qui paraît plus sûr. Il est préférable de s'y rendre. Réponse A. Question 17. Je suis bien placé en marche normale? Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour tourner à gauche, oui, réponse C. Non, réponse D.
comporte trois voies de circulation à double sens. La voie centrale sur laquelle je circule est réservée au dépassement et au changement de direction à gauche. Je suis donc bien placé si j'ai l'intention de tourner à gauche à la prochaine intersection. En revanche, en marche normale, je suis mal placé, car je dois circuler le plus près possible du bord droit de la chaussée. Réponse B et C. Question 18. Je klaxonne très brièvement. Réponse A. Je change de voie. Réponse B. Je ralentis. Réponse C. Les piétons sur la chaussée représentent un danger. Je dois klaxonner pour les inviter à rejoindre le trottoir. La voie de gauche étant occupée, je n'ai pas la possibilité de m'y placer dans l'immédiat. Je ralentis et actionne mon clignotant gauche afin que les conducteurs qui me suivent comprennent que je suis gêné dans ma progression. Réponse A et C. Question numéro 19. Je tourne à droite, j'actionne le clignotant juste avant de tourner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, je tourne sur la droite dans cette petite route. Donc, on en pose la question, à quel moment on va mettre le clignotant? Est-ce que je le mets juste avant de tourner? Donc, juste avant de tourner, ça sera à peu près à cette hauteur-là. Donc, le clignotant, il faut le mettre très tôt. On aurait dû déjà le mettre. Pourquoi utiliser le clignotant très tôt? Ben, vous voyez, on a quelqu'un, une personne qui est derrière nous. Si jamais... Là, on freine brusquement, on va le surprendre. S'il est surpris, il va freiner très tard et risque de nous rentrer dedans. Donc c'est pour ça le clignotant, il va falloir le mettre avant de freiner, avant de ralentir, pour ne pas surprendre celui qui est derrière. C'est là je freine et je mets le clignotant qu'à partir d'ici, forcément ce sera vraiment trop tard. Donc je n'actionne pas le clignotant, juste avant de tourner, il veut faire bien avant, donc bonne réponse B. Question numéro 20. Je vais rencontrer une descente dangereuse. À 2 km, réponse A. À 4 km, réponse B. Sur 2 km, réponse C. Sur 4 km, réponse D. Ce panneau de danger signale une descente dangereuse. Le danger prend effet à 150 mètres environ, puisque je circule hors agglomération. Le panonceau précise que cette descente s'étend sur une distance de 2 km. Bonne réponse, C. Après salage, la chaussée est mouillée. L'adhérence est divisée par 2. Réponse A. Le freinage est multiplié par 2. Réponse B. Le temps de réaction est multiplié par 2. Réponse C. Le piège est dans les formulations, division et multiplication. L'adhérence diminue lorsqu'il pleut, qu'il neige ou qu'il y a du verglas. Lorsque l'adhérence est réduite, la distance de freinage est allongée. Sur route mouillée comme ici, on estime qu'il faut doubler la distance de freinage parce que l'adhérence est divisée par 2. Le temps de réaction ne dépend pas des conditions météorologiques, mais du seul conducteur. Question 22. Le véhicule rouge est prioritaire? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je le laisse passer? Oui, réponse C. Non, réponse D. Le véhicule rouge quitte un stationnement. Il n'est pas prioritaire. Le fait qu'il ait actionné son clignotant ne lui donne aucun droit supplémentaire. Avant de s'engager, il aurait dû s'assurer que sa manœuvre n'occasionnerait ni gêne ni danger.
Ce véhicule est déjà bien engagé, je n'ai pas d'autre choix que de le laisser passer. Réponse B et C. Question numéro 23. Je peux tourner à gauche. Réponse A. Continuer tout droit. Réponse B. Tourner à droite. Réponse C. Je suis engagée sur une voie munie de flèches directionnelles. Ma voie est délimitée à droite par une ligne continue qu'il est interdit de franchir. Placée dans cette voie, je peux donc tourner à gauche ou continuer tout droit. Bonne réponse, A et B. Avant de quitter mon véhicule, je m'assure de la fermeture des vitres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Déverrouillage des portes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, avant de quitter mon véhicule, avant de le laisser, alors bien sûr, il faut s'assurer que toutes les vitres du véhicule sont bien fermées pour éviter forcément des vols, soit dans le véhicule ou carrément du véhicule en lui-même. Et forcément, c'est la bonne fermeture, le bon verrouillage des portes aussi bien sûr. Donc, mon réponse A et C. Interdiction de dépasser commence à partir du panneau. Réponse A. À 150 mètres. Réponse B. À 400 mètres. Réponse C. Lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'un panonceau de distance, une interdiction prend effet à partir du panneau de prescription. Je peux terminer tranquillement un dépassement en cours sur les 400 mètres restants, mais je ne peux pas en commencer un à partir du panneau. Réponse A. Je rabats rapidement à droite pour prendre la bifurcation à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, nous arrivons à hauteur d'une bifurcation d'autoroute. Je vous rappelle, une bifurcation d'autoroute, c'est une autoroute qui se sépare en deux autoroutes. Donc, mon souhait, c'est de prendre cette bifurcation d'autoroute. Par exemple, pour aller en direction de Lyon, alors est-ce que donc forcément, déjà je ne suis pas forcément dans la bonne voie. Je suis dans la voie située à gauche, des fois que je change entre guillemets deux fois de voie, mais est-ce que je le fais tout de suite rapidement à droite? Donc, pour savoir si on peut changer de voie, surtout, qu'est-ce qu'il faut faire avant? Il faut regarder derrière soi, si on ne va pas gêner quelqu'un. Donc là, on a un véhicule qui se trouve derrière nous. Par contre, sur la voie de droite, on a aussi un véhicule qui se trouve derrière nous. Si je le fais rapidement, je risque de gêner très fortement ce véhicule. Donc là, il est un petit peu tard pour prendre cette bifurcation. Il aura fallu anticiper normalement. On a des panneaux à l'avance, forcément pour nous prévenir. Attention, bientôt, on aura cette bifurcation. Donc, il faut toujours se trouver le plus à droite possible pour, entre guillemets, sortir d'une autoroute. Il aura fallu se trouver comme ce véhicule noir. Donc, il est trop tard. Surtout, on a un véhicule et on fait jamais rapidement les choses quand on conduit. Il faut toujours que ça soit anticipé. Donc, bonne réponse B. Question numéro 27. Ce panneau annonce un arrêt de tramway, réponse A. Une voie réservée au tramway, réponse B. Une traversée de voie de tramway, réponse C. Le panneau de forme triangulaire est un panneau de danger. Il annonce la traversée d'une voie de tramway à 50 mètres environ,
puisque je circule en agglomération. Un arrêt de tramway n'est pas signalé par un panneau, car les tramways circulent en site propre. Cependant, une voie réservée au tramway est signalée par ce panneau. Bonne réponse, C. Question 28. Dans ce sens de circulation, je peux m'arrêter à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je n'ai pas le droit de m'arrêter, ni de stationner à droite le long du trottoir. En effet, en immobilisant mon véhicule le long de celui-ci, la largeur de la voie restant libre ne permettrait pas aux autres véhicules de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne continue, ce qui est interdit. De même, je ne peux pas m'arrêter contre le trottoir à gauche, car je franchirais la ligne axiale continue. Réponse B et D. Question 29. Je suis bien placé si je circule à 45 km/h, réponse A, 55 km/h, réponse B, 65 km/h, réponse C, 75 km/h, réponse D. La voie sur laquelle je suis est réservée aux véhicules longs. Elle concerne tous les usagers sans exception qui roulent à moins de 60 km/h. Ici, je suis à ma place sur la chaussée si je circule à 45 ou 55 km/h. Dans les autres cas proposés, je dois obligatoirement changer de voie. Réponse A et B. Question 30. Dans cette forte descente, j'utilise le frein moteur. Réponse A. Je freine par pression intermittente. Réponse B. Je freine d'une manière continue. Réponse C. Pour maîtriser mon véhicule dans cette descente à forte déclivité, je dois utiliser le frein moteur, c'est-à-dire rétrograder une vitesse et obtenir une allure stabilisée, et freiner par pression intermittente. L'utilisation excessive et continue du frein principal peut provoquer un échauffement anormal des disques et des garnitures, pouvant aller jusqu'à la rupture. Réponse A et B. Je pourrais m'arrêter le long du trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ligne jaune au sol interdit l'arrêt le long du trottoir, puisqu'elle seule, elle vaut le panneau d'arrêt interdit. Le panneau invisible est implanté pour réguler le stationnement sur la place de l'église. Question 32. Je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. La signalisation annonce un rétrécissement de la chaussée 50 mètres environ après le panneau. Celui-ci est complété par des cônes servant à délimiter la zone visible des travaux en cours. L'obstacle étant situé de mon côté, je suis tenu de m'arrêter puisqu'un usager arrive en sens inverse. Réponse B. Question 33. Avant d'aborder un carrefour giratoire, je dois m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Un carrefour à sens giratoire est une intersection marquée par une signalisation de céder le passage, ligne pointillée et panneau, identique à toute autre intersection régie par un céder le passage. Face à cette signalisation, je suis tenu de marquer l'arrêt uniquement si d'autres usagers circulent sur la chaussée que je vais aborder ou sur l'anneau du rond-point. Si personne ne se présente, je ne suis pas dans l'obligation de m'arrêter. Réponse B. Question numéro 34. Je peux stationner sans feu? Oui, réponse A. Non, réponse B. L'éclairage public permet de rendre le véhicule visible à une distance suffisante. De plus, je stationne en dehors des voies de circulation. Je peux donc stationner sans feu. Bonne réponse. A. Question 34. Je ralentis et je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque le feu est jaune clignotant, vous devez tenir compte de l'information donnée par le panneau situé sous le feu. Ce dernier indique que vous circulez sur une route à caractère prioritaire. Cette situation n'étant pas habituelle, vous devez être vigilant et réduire votre allure afin de pallier les éventuelles erreurs des autres usagers. Réponse A et D. Question 36. Il est préconisé de vérifier le niveau d'huile lorsque le moteur est froid. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque le moteur est chaud. Oui, réponse C. Non, réponse D. Une insuffisance ou une absence d'huile peut avoir des conséquences graves sur la mécanique. C'est pourquoi vous devez régulièrement contrôler le niveau d'huile et au besoin, le compléter avec une huile présentant les mêmes caractéristiques que celles utilisées lors de la vidange. La vérification du niveau d'huile doit se faire de préférence lorsque le moteur est froid. Réponse A et D. Question 37. La zone des travaux commence environ à 50 mètres, réponse A. 150 mètres, réponse B. Je peux rencontrer des ouvriers? Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule en agglomération. La zone dangereuse associée aux travaux est donc située à 50 mètres environ. Des hommes travaillent à cet endroit, je dois donc ralentir. Je dois aussi faire attention à la présence de gravillons ou de boue sur la chaussée, même par beau temps et quel que soit le jour de la semaine. Réponse A et C. Pour tourner à gauche, je passe devant la voiture jaune. Oui, réponse A. Non, réponse B. Devant la voiture blanche, oui, réponse C, non, réponse D. Je suis engagé sur un aménagement que l'on nomme tourne à gauche à l'indonésienne. La particularité de cet aménagement est que les véhicules tournent l'un devant l'autre. Mais ils ne peuvent le faire qu'après avoir cédé le passage aux usagers circulant sur la chaussée qu'ils vont traverser. Ici, je vais donc passer derrière la voiture jaune et devant la voiture blanche. Réponse B et C.
Question numéro 39. À partir des panneaux, la voie de droite est réservée aux bus, réponse A, aux cycles, réponse B. Les taxis peuvent y circuler? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau signale une voie réservée aux véhicules de transport en commun. Celui-ci indique une piste ou bande obligatoire pour les cycles. La voie de droite est donc réservée aux bus et aux cycles. Ce panonceau précise que les taxis sont autorisés à y circuler. Bonne réponse, A, B et C. Question 40. La signalisation est temporaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois tourner à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation verticale ou horizontale de couleur jaune est temporaire. En présence d'un tel marquage, vous devez ralentir car vous risquez de trouver du personnel sur le chantier. De plus, la modification du tracé de la route doit attirer votre attention. Aucune signalisation ne vous oblige à tourner à droite. Réponse A et D. Cette vidéo a été coupée car elle était trop longue. Pour compléter la vidéo, vous trouverez sa suite dans la description ou cliquez ici. Cette vidéo a été coupée car elle était trop longue. Pour compléter la vidéo, vous trouverez sa suite dans la description ou cliquez ici.